à tous. Moi, c'est Alexandre du collège Bouillardement. Je suis en 5e, 5e 4 plus exactement. Je vais vous parler de ce livre, Le mot d'Abel. C'est Véronique Petit qui a écrit ce roman pour les jeunes. Dans la vie, elle est assistante sociale et ça se sent dans le livre. On voit qu'elle connaît bien les ados. Et on pourrait même croire qu'elle a mis sa personnalité dans un des personnages. En plus, c'est pas n'importe quel auteur. Elle a gagné le prix Gulli 2018. J'ai 13 ans, 2 mois et 3 jours et je ne connais toujours pas mon mot. C'est une histoire dans laquelle chacun reçoit son mot vers l'âge de 12 ans. Abel est dégoûté de ne pas savoir le sien. Il est jaloux de ses sœurs Lou et Evie qui connaissent déjà leur mot. Non mais sérieux, tu l'as dit combien de fois le mot mot? Je sais pas. Il l'a dit 5 fois, j'ai compté. Normal, c'est le mot d'Abel et de 6. Alors, pour que vous ayez envie de lire ce roman, je vais vous lire un extrait. Mais finalement, c'est mieux de vous le montrer. Allez, venez voir. Et toi, tu serais capable de faire ça? Tu serais capable de prendre la défense d'une personne qui s'est fait insulter? Le mot d'Abel, c'est ça. C'est se poser des questions sur soi, sur les autres, sur ce qu'on est capable de faire ou pas. C'est se demander qui on est, c'est chercher des réponses en soi. C'est se demander si tout est écrit, si on est libre de ses choix ou pas. J'ai adoré ce livre et toute ma classe aussi. Ce roman, c'est une pépite, une révélation. Quand je l'ai fini, j'étais déçue. J'en voulais plus. Bah tiens, regardez-les, eux. C'est ça aussi le mot d'Abel. C'est coller une étiquette aux gens, c'est catégoriser les gens au premier regard. C'est mettre les gens dans des cases ou au contraire refuser tout ça. Bref, tout ça pour dire... Le même livre que son mot.